La soirée avait pour thème Projet X, un film où trois jeunes organisent une soirée qui va dégénérer. Samedi soir, dans cette maison, une résidence secondaire inoccupée, la réalité a rattrapé la fiction, une soirée qui au départ semblait bien organisée. Devant, il y avait des vigiles qui refoulaient certaines personnes qui étaient susceptibles de... Ça avait l'air d'être une soirée qui était quand même bien organisée. Ah, c'était bien, franchement, c'était bien organisé. Il y avait trois DJ, il y avait la musique, il y avait de la lumière. Une stripteaseuse, un stripteaseur aussi. Donc tout pour passer une bonne soirée, quoi. Comme on le voit sur ces images filmées par un téléphone portable au cours de la soirée, la fête s'est répandue dans le quartier avec crise et fumigène. Insupportable pour les voisins, l'un d'entre eux aurait même tiré en l'air à trois reprises avec un fusil. Rapidement, la gendarmerie est intervenue. Beaucoup de jeunes ont alors très vite quitté les lieux. Profitant de la panique, plusieurs groupes se mettent à tout détruire. C'est à partir de ce moment-là où tout le monde est parti, c'est parti en vrille, les matelas ils ont volé par les fenêtres. La maison elle a été détruite, les radiateurs arrachés, tout ça quoi. Nous on était en bas, en contrebas, on voyait des trucs passer par la fenêtre, atterrir dans la piscine quoi. À un moment c'est venu à un stade où c'était trop dangereux. Hein. Toute cette soirée a été organisée par le biais de Facebook. Les organisateurs ont peut-être été dépassés par le phénomène.